Bienvenue à cette suite de la série de quatre capsules qui portent sur le neurone et son fonctionnement. Cette deuxième capsule s'attarde plus particulièrement au développement d'un potentiel gradué, aussi nommé potentiel électrotonique. Un potentiel gradué apparaît lorsqu'il y a déplacement net des ions présentés dans la première capsule, par exemple le sodium. Cette situation peut prendre place selon deux grands types de mécanismes. Le premier mécanisme peut être illustré par les neurones unipolaires situés dans la peau. Bien que leur forme soit variable, leur dendrite présente dans le derme est directement en contact avec leur axone. Ces dendrites sont sensibles à différents stimuli comme la pression, la température, etc. Prenons l'exemple d'un neurone sensible à la pression. Lorsqu'un doigt ou un objet entre en contact avec la peau, l'épiderme et le derme de la peau se déforment. Et cela se répercute sur la membrane plasmique des neurones qui s'y trouvent. En se déformant, la membrane plasmique du neurone permet l'ouverture mécanique d'un canal. C'est pour cette raison qu'on dit que ce type de canal est mécano-dépendant. Il ne s'ouvre qu'à la suite d'un stimulus mécanique, comme l'étirement de la membrane. Il existe plusieurs variantes de ce type de canal. Certains s'ouvrent à la suite d'une variation de la température, d'autres si un photon le percute, comme dans la rétine par exemple. Si, comme dans notre exemple, le canal qui s'ouvre est un canal sodium mécano-dépendant, son ouverture provoquera l'entrée massive de sodium par gradient de concentration et gradient électrique. Rappelons que l'intérieur du neurone est chargé négativement. Cette entrée massive de charge positive, le sodium étant chargé positivement, influencera le potentiel de repos. Ce dernier deviendra de plus en plus positif. Il passera par exemple de moins 70 à moins 65 millivolts. Notez qu'on ne retrouve pas de canaux mécano-dépendants sur les neurones du système nerveux central, pour des raisons évidentes. Ce qui nous mène au deuxième type de mécanisme qui permet l'apparition d'un potentiel gradué. Ce mécanisme fait appel à des canaux dits ligands dépendants, puisque leur ouverture est dépendante de la fixation d'un ligand. On nommera ce ligand neurotransmetteur. Dans l'exemple présent, un neurotransmetteur, c'est-à-dire un ligand, se fixe sur un canal sodium-ligand dépendant. Le neurotransmetteur est illustré par un triangle rouge. Et nous verrons bientôt d'où viennent ces neurotransmetteurs. Cette fixation permet l'ouverture du canal, qui permet à son tour l'entrée de sodium et ainsi la formation de potentiel gradué. Peu importe le type de canal impliqué, qu'il soit mécano-dépendant ou ligand-dépendant, tous les deux mènent à une modification du potentiel de repos, par exemple de moins 70 à moins 65 millivolts. Si cette modification du potentiel de repos rend l'intérieur moins négatif, par exemple lorsque du sodium entre, on parle de dépolarisation. Par exemple, ici, on passe de moins 70 à moins 65 millivolts. Si au contraire, le potentiel devient encore plus négatif qu'il ne l'était, en passant par exemple de moins 70 à moins 75 millivolts, on parle d'hyperpolarisation. On peut hyperpolariser un neurone en permettant, par exemple, la sortie massive de charges positives, comme du Ca+, du potassium, ou comme dans l'exemple suivant, en permettant l'entrée de chlore, chargé négativement. Certains neurotransmetteurs, comme le GABA, permettent l'ouverture de canaux chlore-ligand dépendants. Lorsqu'ils s'ouvrent, ce type de canal permet au chlore, Cl-, d'entrer à l'intérieur du neurone en suivant son gradient de concentration. Souvenez-vous qu'au repos, le chlore est plus concentré du côté extracellulaire. Cette entrée massive de chlore rend encore plus négatif l'intérieur du neurone, et le voltage pourra donc passer de moins 70 à moins 75 millivolts, par exemple. C'est donc dire qu'un potentiel gradué peut prendre la forme d'une dépolarisation si le voltage s'approche de zéro, par exemple moins 60 millivolts au lieu de moins 70, ou d'une hyperpolarisation si le voltage s'éloigne de zéro, par exemple passer de moins 70 à moins 90 millivolts.